bonjour à tous une fois de plus et merci d'être présents pour nous rejoindre pour la présentation du sommet succès de PAM. Aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle de nos expertes, donc Béatrice Cuvelier, qui est spécialisée dans le personal branding et qui a donc amené le personal branding sur le marché francophone. Donc Béatrice, bonjour. Bonjour Biba. Enchantée de faire un peu de connaissance, même si depuis une petite année on échange via les réseaux sociaux, et merci les réseaux sociaux d'ailleurs. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur le sommet succès de PAM, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc moi j'ai passé 20 ans en entreprise à des postes de salariés dans le domaine des nouvelles technologies, de la publicité, notamment 10 ans dans l'univers Apple, qui est un univers qui m'a énormément impacté. J'ai été très touchée par les valeurs de la marque Apple. Et puis je me suis reconvertie suite à un licenciement. En fait, le dernier poste que j'ai occupé, c'était la direction générale d'Alta Vista. Il y a peut-être des personnes qui connaissent Alta Vista, c'était l'ancêtre de Google. Voilà, donc j'étais DG France de cette entreprise. Et puis donc suite à un licenciement, je me suis retrouvée donc sur le marché du Pôle emploi, voilà, tout simplement. Et puis donc avec des grosses indemnités, ce qui était quand même un superbe cadeau. Et je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire. Donc je me suis reconvertie dans les métiers de l'accompagnement, du coaching, etc. Je me suis régalée à me former à tout ça et au bout d'un moment, j'ai créé mon entreprise quand les indemnités se sont arrêtées. Et cette entreprise s'appelle Centième Singe, donc c'est une entreprise de formation, de conseil et de coaching. Et au début, donc, j'ai pensé que ça allait marcher tout seul et en fait, ça n'a pas fonctionné, ça ne marchait pas. Parce que en gros, j'étais coach et que des coachs, il y en avait déjà plein, des jaunes, des rouges, des bleus, des vertes. Hein. Et voilà, j'étais pas au clair moi-même sur la raison pour laquelle on serait venu me chercher. En fait, c'était pas clair pour moi, donc forcément, c'était pas clair pour les autres. Donc j'ai failli renoncer, j'ai failli retourner en entreprise, qui pour moi était le summum de l'échec. Et en fait, au bout de quelques mois, j'ai rencontré sur mon chemin le personal branding. Alors à l'époque, c'était en 2006, il n'y avait absolument rien en France, ni en français d'ailleurs sur le sujet. Tout était aux États-Unis. Et quand j'ai entendu parler de ce sujet, c'était une coach en fait en France qui s'est présentée un jour dans une réunion. Et elle a dit, voilà, moi je suis coach et j'aide les coachs à se vendre et à se voir comme des marques. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est génial ça, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est vrai que ça faisait le lien entre mes deux métiers, hein, c'est-à-dire... Moi, j'avais passé 20 ans dans l'univers des marques, de la publicité, et puis après, je me suis reconvertie dans la connaissance de soi, dans le développement personnel. Donc, ça faisait vraiment le lien entre les deux. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est génial. Donc, elle m'a donné toutes les infos de ce qui se passait aux États-Unis. J'ai tout traduit en français. Je me suis régalée, vous savez, même la nuit jusqu'à 3-4 heures du matin à tout traduire sans sentir la fatigue, sans sentir l'heure qui passe sans effort aucun, quoi. Donc voilà, j'ai tout traduit, je me suis formée aux États-Unis sur le sujet et puis j'ai signé un contrat avec le leader mondial pour pouvoir ramener ça en francophonie. Donc ça c'était en 2006, ça va faire 10 ans et c'est vraiment quelque chose de très très puissant que je me suis appliqué à moi-même évidemment pour commencer et puis aujourd'hui j'ai accompagné un peu plus de 2000 personnes sur le sujet. Voilà. Et il y a encore des choses à faire aussi sur le personal branding en France parce que les gens ne savent pas toujours ce que ça veut dire ou en tout cas connaissent le nom mais ne savent pas nécessairement comment on met en place derrière. Donc justement c'est là où c'est intéressant puisque pendant votre conférence pour le sommet, c'est là où vous allez nous parler justement de l'impact de notre marque personnelle dans la réussite de nos entreprises. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, au bout d'une dizaine d'années, je me suis mal aperçue, enfin, j'accepte l'idée qu'en fait, mes clients, mes partenaires, quand ils veulent travailler avec moi, ce qu'ils viennent chercher, c'est pas mon entreprise, c'est moi, c'est avec moi qu'ils veulent travailler. Et donc c'est vraiment ma marque personnelle, hein, ma touche personnelle, ce que j'incarne, qui me motive profondément, qui les touche. Hein, c'est mon authenticité qui les touche bien plus que mes diplômes, mes compétences, etc. Donc ça, il m'a fallu du temps parce que c'est vrai que la tentation, ça peut être de se cacher derrière son entreprise, alors qu'en fait, surtout quand on est entrepreneuse et même solopreneuse, évidemment, c'est intuitu personnel, c'est-à-dire que les personnes, nos clients, nos partenaires, c'est vraiment la personne qui les intéresse.
C'est ce que dit à tous les clients aussi, de toute façon. La première chose que les gens vont acheter, c'est vous et pas vos services. Exactement. Ils vous ont acheté vous, vous pouvez leur vendre ce que vous voulez derrière, parce que de toute façon, c'est vous, votre personnalité, votre authenticité, comme vous disiez, que les gens vont acheter, et le service, c'est dans un deuxième temps. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'informations sur ce que vous allez nous présenter pendant le sommet? Oui, déjà, je vais vous parler un petit peu plus longuement de ce qu'est le personal branding, en quoi c'est utile pour un dirigeant, quels sont les fondements de notre marque en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, hein, parce qu'on a tous une marque personnelle, absolument tous. L'idée, c'est de la faire émerger, donc comment est-ce qu'on peut identifier cette marque et comment est-ce qu'on peut la renforcer. Alors évidemment, on ne va pas faire un parcours de personal branding pendant cette heure passée ensemble, parce qu'évidemment, on n'aurait pas le temps, mais en tout cas, l'idée, c'est de donner des clés, de donner quelques pistes aussi, pour que les personnes repartent avec, pourquoi pas, des prises de conscience, des déclics, en tout cas, vraiment des choses très concrètes qu'elles puissent apporter dans leur quotidien. Voilà. Assez rapidement, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis il y a des petites erreurs. Bon, j'ai pas toutes les données, puis j'ai pas la prétention de toutes les connaître, hein, les erreurs. Mais j'en ai fait quelques-unes, donc je vais peut-être partager ça. Je pense que ça, si ça peut faire gagner du temps, de l'énergie, de la qualité de vie à certaines entrepreneuses, voilà, ce sera tout bonus pour tout le monde. Absolument. C'est aussi le but de ce sommet, c'est que chacune d'entre nous donnions nos experts, partageons nos expériences, parce qu'il y a le succès, mais il y a eu plein de choses avant. Que les gens ont toujours l'impression que quand on a réussi, ça nous est arrivé du jour au lendemain, mais il y a beaucoup de choses avant, il y a beaucoup d'obstacles avant, que les gens ne voient pas ou ne veulent pas voir. Donc le fait de partager effectivement nos expériences, nos succès, nos échecs et nos erreurs, ça permet justement de faire gagner beaucoup de temps aux autres personnes qui nous suivent. Tout à fait, d'ailleurs, dans notre vulnérabilité, hein, dans les choses un petit peu délicates qu'on a traversées, il y a énormément d'authenticité et de choses qui touchent nos interlocuteurs. Donc, je pense que c'est important d'être au clair là-dessus, parce que moi, je sais que les personnes qui m'ont le plus touchée et avec lesquelles j'ai eu le plus envie de travailler, même si c'est toujours valable aujourd'hui, je le mets au passé, mais c'est toujours valable, c'est vraiment les personnes qui se sont ouvertes à moi, qui ont osé montrer leur fragilité, leur doute. Et voilà, ça a créé un lien, et c'est des personnes ou des moments, en tout cas, qu'on n'oublie pas. Absolument. Ok, et bien parfait. Donc, j'encourage tout le monde, effectivement, inscrivez-vous dès maintenant sur le lien qui se trouve en dessous, sur succèsdefemmes.com, pour venir nous rejoindre pendant le sommet. Et donc, écoutez la présentation avec Béatrice, qui aura lieu le vendredi 1er mai à 16h, heure France. Et bien, merci beaucoup, Béatrice. Et puis, donc, on se retrouve fin avril, début mai. Merci Biba, à très très bientôt. À bientôt, merci, au revoir.